y est presque. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ? Que ce qu'on cherche est tout en bas. Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin. Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Maintenant. Accroche-toi. Ce plan ne me dit rien qui va. Silence, bête. Saute. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. Le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'attendre? On ne peut pas. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. À reculons? C'est à l'envers. Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais, celle-là. Hiver! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Compris. Fais-le. Aust, vol.
c'était pas ça. Vas-y. Var. Haust. Bitte. Summa. Toujours rien. Atreus, quel est l'ordre de la chanson déjà? Hiver, printemps, été, automne. Vas-y. Vetter, Var, Summa, Haust. Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que Merle chantait. Non ! Atreus, ce mot. Fola, ça veut dire résiste. Essaie. Fola. Bien joué, petit. Écris-le encore. Fola. Poussez-le ! L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient? Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur proie. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps figer. Attendre la base.
refont l'écriture avant que le sol s'effondre. J'aimerais bien faire ça.
Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours et gris. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Poussez. Mais... Aie confiance. Prêt? Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. La pointe du burin. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Midgard me répugne. Ils ne sont peut-être même pas là. Ce marteau n'est pas tombé tout seul. Bien, si on les trouve, tu me laisses le petit, hein? Mais qu'est-ce que tu cloches chez toi? Je sens un... Trouve-le. Pas maintenant. Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux. Oui. Magni et Modi, les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais.
la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Là. Ah oui. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Sortie, mais il n'y a aucun moyen de l'attendre. Come on!
Une bonne chose de faite. Tu vois, il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Hé, Sindri, on a quelque chose. Une pièce d'armure? Oh, dis-moi que c'est une pièce d'armure. Je ne plaisante pas. Il a affronté notre oncle et a survécu. Peut-être. Je peux faire toutes sortes de choses. Depuis longtemps. Oui, mais si Père le croit, nous aussi. Alors qu'il affirme, tu te concentres et tu m'aides à les trouver. On ne voudrait pas décevoir Père. Oh, je vais te corriger. Non, on ne peut pas décevoir ton père. Ouvre l'œil. Oh bien, ça ne fait rien. Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Toi. Atreus. En toi, le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu me dis, mon frère. Yeah!
reste derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Ces pauvres bras peuvent à peine souffrir. Je t'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. Essaie de te provoquer. Imbécile! Fils de Thor. Les fils de Thor peuvent toujours essayer. Tête! Désolé, je sais, je suis allé trop loin. C'est la je les vois que... Contrôle-toi!
aucune idée de ce que... Sale fils de chien! C'est ton tour! Oh reviens! Ne lâche! Ne Je vais t'arracher la tête! La maladie... La fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus. La toux, le sang... Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. On devrait le surveiller.